Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais le petit déballage de l'iPod Touch 4e génération. Donc d'abord on regarde la boîte ensemble. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécial la boîte? Alors pas grand chose, attendez, je vais pouvoir faire ça une fois. Ouais, pour le moment ça va aller. Donc par rapport à la génération précédente, les bords sont arrondis, regardez. Voilà. La boîte est plus petite. Donc, toujours la tradition de voir l'iPod en premier. Alors, c'est un 8 Go. Voilà. Donc, sur les côtés iPod Touch. De l'autre côté, iPod Touch. Oh, on a la petite pomme. Et voilà. Donc, on va le déballer ensemble. Alors, hop. Il y a une petite languette là, on va la tirer. Voilà. Donc, hop. On pose la petite languette là. Voilà. Et hop, normalement, ça s'ouvre tout seul. C'est magnifique. Alors, on va essayer de pas trop le salir, hein. Alors, comment ça s'ouvre? Hop. Voilà, sur une petite plateforme, là, en plastique. Donc, hop, on va le poser là. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, hop là. On ouvre, on a... Alors, on a les gestes élémentaires. D'accord. Je vous montrerai ça après. On a les écouteurs d'Apple, les plus basiques. Sans le micro ni rien. Et le chargeur dock. Donc voilà. Ah! Ils sont partis sur ça. Donc en fait là, ils sont partis sur une base carrée qui avant était arrondie. Sur les bords, donc voilà. Donc on va remettre ça dans la boîte. Et regardons des gestes élémentaires ensemble. Tac, j'en pose ça dans la boîte. Hop. Gestes élémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le fingertips dans toutes les langues. Et au fond, là, on a, comme d'habitude, les petits autocollants Apple. Donc, voilà. Hop, ça c'est sympa. Non, il m'en fallait en plus, donc voilà. Alors, donc, il est vraiment très très fin. Donc, regardons comment ça s'ouvre derrière. Donc là, ça nous dit tirer, on va hop, faire ce qu'ils nous disent. J'essaie de le faire à une main, c'est pas facile. Voilà. Clac, clac. Et clac, donc normalement, on a juste à tirer, voilà, comme ceci. Et tirer l'autocollant. Je ne vais pas y arriver demain. Je vais essayer de vous poser. Hop. Donc, hop, je tire l'autocollant délicatement. Voilà. Voilà. Alors voilà le petit iPod. Alors, première impression, il est très fin. Donc voilà.
On va l'allumer ensemble alors. Voilà. Alors voilà, il s'allume. Et là, normalement, il nous dit de se connecter à iTunes. Maintenant qu'il s'allume, alors regardons derrière. On a la caméra. Haute définition derrière. iPod, 8 Go. Donc voilà, alors là, ça nous dit connecter le iTunes. Donc on continue à regarder. Hein. Les deux petits boutons de volume. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils les ont séparés. Le bouton Home, la prise jack et la prise dock, et le bouton Power. Donc voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vais le brancher à iTunes et je vous fais peut-être une autre petite vidéo après. Donc voilà. Allez, à plus, c'était Rayfim. Bye bye!